tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes d'une entreprise pionnière. Fondée sur des activités d'entreposage et de transport, ce pionnier se développe et se diversifie selon un modèle original appelé inclusif. En résumé, et pour faire simple, ça veut dire qu'en grandissant, cette entreprise permet à d'autres compagnies de grandir aussi. Au moment de sa création, en 2003, Logidis se construit avec le rapprochement des véhicules et moyens de stockage au service des différentes filiales du groupe IBL. Aujourd'hui, c'est un partenaire logistique privilégié pour de nombreuses entreprises mauriciennes et internationales, mais qui propose aussi des services aux particuliers. Pour en arriver là, les responsables de l'entreprise ont choisi d'investir dans de nouvelles technologies et de développer des savoir-faire permettant la mise en œuvre de ces outils modernes. Non pas afin de garder tout cela jalousement pour eux, mais pour mieux les partager avec leurs partenaires commerciaux. Et ainsi, Logidis agrandit et renforce sa propre chaîne de valeur en y ajoutant une partie de la valeur créée avec ses clients et co-traitants. Regardez, vous allez tout comprendre. S'appuyant sur un ensemble de bâtiments de stockage, une flotte de véhicules, des technologies et des savoir-faire issus de différentes branches du groupe IBL et en constante évolution, les équipes de Logidis construisent et délivrent depuis la création de l'entreprise, en 2003, des services logistiques innovants. Innovants notamment parce qu'en intégrant de nouvelles technologies, ils créent de la valeur ajoutée, mais aussi parce qu'ils favorisent le partage de cette valeur ajoutée avec les autres parties prenantes. On a la capacité de gérer des grands entrepôts, que ce soit au niveau du sec, au niveau du pharmacie, au niveau du frozen. Étant spécialiste dans une partie logistique, on a plusieurs créneaux, l'entreposage, la distribution, mouvement de cargo, passagers, consulting, ainsi de suite. On a développé ce savoir-faire-là en interne. Et aujourd'hui, c'est vrai que si quelqu'un à l'extérieur, il doit se concentrer sur son core business, nous, on met l'infrastructure et l'expertise à sa disposition, ainsi que toute la partie d'informatique aussi. De ce fait, la personne va pouvoir se concentrer sur ses qu'il sait faire et nous, on vient mettre cette facilité-là à leur disposition pour leur permettre de mieux développer. Le développement de ces partenaires est effectivement au cœur de la stratégie de diversification du logisticien. Ces efforts pour construire des modes de collaboration gagnant-gagnant ont d'ailleurs été récompensés par le gouvernement en 2015 qui a décerné à la compagnie le trophée du National Inclusive Business Award. Facilitateur d'accès de tout type de produits au marché, Logidis fait bien plus que conserver les marchandises débarquées ou à embarquer dans le port et à l'aéroport. L'entreprise est organisée pour gérer les stocks que lui confient producteurs, importateurs et distributeurs. Avec des systèmes d'information qui communiquent, les livraisons sont effectuées au bon moment et selon leurs besoins. Dans le cadre de procédures parfaitement sécurisées, les équipes préparent les commandes et regroupent les marchandises sur des palettes destinées à être livrées au plus tôt. Ces services sont très appréciés des hyper et supermarchés car ils permettent une mise en rayon peu de temps après la réception, ce qui réduit considérablement les risques de rupture de la chaîne du froid, mais pas seulement. Si un fournisseur vient avec ses produits, s'il y a 10 camions, il aura à attendre son tour pour pouvoir prendre la livraison. Avec la palettisation, il n'a pas à attendre. Il vient, il présente ses documents, on vérifie les conditions du palette, si c'est correct, pas abîmé. On réceptionne les palettes et puis le fournisseur part. C'est ça l'intérêt pour le fournisseur. Nous, au niveau de la grande distribution, ça nous aide à avoir pas mal de gains de temps par rapport à la livraison. La préparation de commande se fait sous caméra. Les vérifications se font sous caméra, donc il y a peu de chances qu'il y ait des écarts. Et s'il y a des écarts, ça se résout par un mail. Cette qualité de service s'appuie sur une organisation et des bonnes pratiques qui se révèlent aussi indispensables pour les produits de valeur livrés en petite quantité, comme les cosmétiques. Cela vaut aussi pour les viandes fraîches, conservées à 0 degré, comme pour les vins et champagnes, stockés dans des zones climatisées en attendant d'être mises à la carte des restaurants ou dans les rayons des distributeurs. Certaines capacités de stockage à température contrôlée sont dédiées à d'autres produits sensibles qui requièrent des procédures très rigoureuses. Le secteur pharmaceutique est un peu sensible dans le sens que déjà à l'arrivée, on doit faire 100% vérification à la réception. On doit s'assurer que tout est d'après la norme parce que c'est un produit qui est contrôlé par le ministère de la Santé. Donc avant de le mettre en vente, on doit même avoir l'aval du ministère pour pouvoir le mettre en vente en ce qui concerne les prix, etc. Pour la préparation, on a des contrôles très stricts que les personnes doivent suivre pour commencer à bien vérifier si c'est les produits qui ont été demandés par le client et aussi par rapport à la date d'expiration et aussi par rapport au prix. La vérification qui se fait pour la préparation des médicaments, c'est très strict. On a aussi des produits qui sont à température contrôlée dans les produits médicaments
Et ça aussi, même pour la distribution, on le fait aux mêmes températures. On doit conserver la température dès l'arrivée jusqu'à la réception du client. Pour la distribution des pharmacies, on fait à peu près 250 points par jour, dont certains deux fois même par jour. Cette couverture du territoire s'applique aussi à d'autres opérations concernant des secteurs de l'économie ayant des besoins en matière de transport, non pas de marchandises, mais de personnel. Nous transportons 9000 personnes jour et nuit avec nos véhicules et aussi ceux de nos contracteurs. Le jeudi, transporte les employés de l'entreprise opérant dans le secteur BPO et ICT parce que ces compagnies-là travaillent à des heures décalées et n'ont donc pas accès au transport public. Nous venons donc leur donner une solution logistique afin que les employés rentrent au travail à l'heure et rentrent chez eux sainement. Toujours en partageant sa maîtrise des outils technologiques, le transporteur touche les principaux piliers de l'économie. Nous offrons aussi des services de transport à des entreprises opérant dans le secteur de l'hôtellerie. Ces employés travaillant aussi dans les horaires décalés. Logidis donne la possibilité à ces entreprises de pouvoir fournir un transport convenable à leurs employés de chez eux à leur lieu de travail et vice-versa, mais bénéficie aussi de notre expertise, notre support concernant la gestion des employés et l'optimisation des véhicules à travers des services tels que le pointage dans les véhicules ou alors le GPS qui nous permet d'être beaucoup plus efficient. Nous offrons aussi des services aux entreprises opérant dans le secteur manufacturier à forte intensité de main-d'œuvre qui travaillent souvent aux heures décalées. C'est bien souvent des entreprises qui font appel à de la main-d'œuvre étrangère, qui n'ont pas vraiment accès au transport public et qui ont donc besoin de nos services afin de pouvoir être transportés aux usines. Comme pour la distribution de marchandises, dans le domaine du transport de personnes, le logisticien sophistique ses prestations. Pour les entreprises, nous offrons des services collectifs, mais nous offrons aussi des services individuels, comme c'est le cas pour le service tapis rouge. Ce service est destiné aux hommes et aux femmes d'affaires qui viennent d'assez loin généralement pour travailler avec les entreprises mauriciennes et participer au développement du pays. Fidèle au sens de l'hospitalité mauricienne et parfaitement en ligne avec la stratégie d'internationalisation de l'économie du pays, la formule tapis rouge a conduit encore une fois Logidis à diversifier son offre dans le transport individuel. Pour tous les résidents et visiteurs de l'île, à la recherche d'un service de taxi fiable, sûr et rapidement disponible, l'entreprise a créé Alalila, une solution innovante visant à partager les bénéfices des nouvelles technologies avec ses partenaires et l'usager final. Il va faire le booking. Ensuite, automatiquement, le chauffeur va réceptionner le booking en real time. Et de ce fait, à partir de là, il va pouvoir communiquer avec le client. Il y a toujours notre plateforme qui est toujours au niveau du bureau qui va faire les suivis. Et de ce fait, le client va pouvoir faire son booking et suivre aussi le taxi qui va venir. Si Alalila a déjà séduit de nombreux adeptes du shopping, il rassure aussi des parents qui délèguent le transport de leurs enfants à des professionnels. Les professionnels y trouvent eux aussi de nombreux avantages. Les avantages là, c'est nous plus sécurisés à travers notre travail même. Nous connaissons qui client nous peut gagner. Nous connaissons l'adresse, le numéro de téléphone, tout bande de données qui nous est là. Parce que de nos jours, il est bien difficile pour nous rouler avec un client qui ne nous connaît pas. Et déjà, l'avantage qui nous est là, c'est qu'il ne peut pas payer dans le banc de course. Un exemple, nous prenons un client depuis pour lui par l'aéroport. En retournant, avec le système GPS qui nous donne le tout, le bureau fini connaît continuité. Et si un client pour prendre depuis l'aéroport, même si pas depuis Maïbou, n'importe dans les environs, nous quand un client nous récupère, nous amène les côtés bizarres aller. À travers GPS, nous gagnons, nous ne pas pour payer donc. C'est-à-dire des courses payées. Aller payer et retourner aussi du pays. À la Lina, c'est win-win aussi pour tous les chauffeurs. Des chauffeurs qui, dans le cadre de ce partenariat, sont formés par Logidis. Au fil des sessions, les nouveaux outils technologiques sont ainsi mieux pris en main. Sont aussi transmises les bonnes pratiques en matière d'organisation, de gestion et de relations commerciales. Ce qui permet d'améliorer le service aux clients, mais aussi de valoriser les prestations de ces petites entreprises de transport et favorise par conséquent leur développement. Dans le but d'accompagner d'autres développements d'entreprises, les experts de Logidis les conseillent en transférant certains de leurs savoir-faire et les leçons de leur propre expérience. Toute l'expérience qu'on a acquise pendant 10 ans, on souhaiterait mettre au service de tous nos clients. Tout le monde qui a besoin de stocker ou a besoin de distribuer leurs produits à travers eux. S'ils n'ont pas envie d'aller vers un prestataire de service,
et ils veulent avoir leur propre entrepôt ou leur propre réseau de distribution. On va leur offrir un service d'études de faisabilité où on peut leur offrir aussi un audit logistique de leur système. On peut aider à mettre en place leur système informatique, à mettre en place les process de fonctionnement, à mettre en place les procédures de travail, à définir aussi les fonctions dans l'entreprise. Et on peut aider à sélectionner les personnes. S'ils ont déjà un système informatique, de l'améliorer, ou sinon pas de choisir le système informatique, il ira dans le même sens de l'activité. Conçu pour améliorer la qualité et la productivité des services internes du groupe IBL, Logidis poursuit sur sa lancée en allant au-devant de nouveaux clients externes, notamment des petits entrepreneurs et au profit du plus grand nombre. Voilà pourquoi son modèle de développement est qualifié d'inclusif. Le partage, c'est certainement l'un des meilleurs moyens de se construire un avenir commun durable. C'est sans doute aussi important que la préservation des ressources naturelles et la valorisation de ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Des exemples comme celui offert par Logidis nous permettent d'espérer que ces valeurs peuvent être et seront bientôt au cœur de notre développement économique à l'échelle de la planète, comme au niveau de notre pays ou de la région. Parmi les atouts que possèdent certaines entreprises mauriciennes, il y a cette capacité à mettre en pratique des valeurs d'inclusion. Ces valeurs et ces pratiques peuvent se révéler très précieuses pour prendre place sur d'autres territoires, en particulier dans les pays voisins sur le continent africain, dont les économies sont en train de décoller. Localement comme à l'international, le développement inclusif sera sans doute un des facteurs de la réussite des entreprises mauriciennes, dont 100% Challenge, depuis sa création, s'efforce d'être la plus belle des vitrines. C'est pour ça que si vous êtes vous-même employé ou à la tête d'une de ces entreprises déjà engagée sur un modèle de développement inclusif, n'hésitez pas à venir en parler sur notre page Facebook, dont voici l'adresse. Sur cette même page Facebook, vous pouvez aussi aimer, commenter et partager une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble. Ce résumé est également visible sur le site web de notre partenaire ION News. Pour retrouver dans son intégralité ce reportage, comme plus de 100 autres, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dont on vous rappelle l'adresse. Je vous dis donc à très bientôt sur les réseaux sociaux et je vous donne aussi rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne, et même enthousiasme. Bye bye.